Encore une fois, c'est très beau chez toi. Merci. On est tous ensemble ce soir. Ben, c'est normal, après tout. Non, 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 vous n'étiez pas obligé. J'apprécie. Nous aussi, on est contents d'être là, Serge. Oui. Oui, je veux dire oui. Je suis très heureuse d'enfin te rencontrer, Émile. Bon, un peu de musique. Serge Gainsbourg, vous connaissez. La raison pour laquelle... Tu t'appelles Serge, oui, on sait. Ma mère était folle de lui, c'est un monument familial. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. J'adore ta mère. Ouais, c'est tout un personnage. Mais arrête, c'est une femme magnifique surtout. J'aimerais ça la rencontrer. Moi aussi. Mais ça va venir. T'as vraiment une belle peau. Tu sais, normalement, je me connais. J'aurais été mal. J'ai attendu un moment avant de lui répondre parce que. Parce que je voyais plein de choses dans son regard. Pas juste un gars qui avait envie de me voir nu, tu sais. Mais quelqu'un qui voulait vraiment créer. J'ai décidé de faire confiance. Il s'est approché de moi comme ça pour me demander d'étendre dans la peinture. Tu connais Klein? Yves Klein, non? Oh. T'as déjà essayé de faire ça? T'as glissé nu dans la peinture? C'est pas désagréable. J'aimerais travailler à partir de ton corps. Comme ça. Premier mot qu'il me dit. C'est commun ce genre d'approche-là par chez vous? Non. Ça, c'est Serge. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais merde. Pardon, désolée. J'y arrive pas. Quoi? J'y crois pas.
Qu'est-ce qui se passe, Anna? Parle-moi. Mais nous trois, ça n'existe pas. C'est pas possible d'en aimer deux. Je veux dire aimer, putain. De l'amour, pas que du cul. T'es en moi, Serge. Tu fais partie de moi. Mais c'est pas la question. Tu m'avais dit que... Je t'aime pour plusieurs raisons, Anna. Et dans tous les cas, c'est de l'amour, ça c'est sûr. Mais je satisfais quelle raison, moi? La même qui comptait la première fois que tu l'as rencontrée.